Et bonjour à vous tous. Alors, bienvenue sur ce direct en ce dimanche matin, le 26 juin, la fin de semaine de la Saint-Jean. Alors, je ne sais pas si vous avez fêté en fin de semaine, mais moi, j'ai eu l'occasion de fêter justement avec ma belle amie Muriel, qui a fêté ses 70 ans. Et qui devait être notre invitée ce matin, mais le lendemain, elle a également fêté avec sa famille. Alors, elle était un petit peu fatiguée, pauvre Muriel. Alors, on lui a donné une petite pause de ce matin, puis elle va revenir un autre moment. On va déterminer ensemble. Et aujourd'hui, j'ai devancé mes invités, Pierre Blanchard et France Lebrun. Pour prendre sa place pour la journée. Donc, ils sont devancés d'une semaine. Alors, un gros merci à eux qui vont venir nous rejoindre dans environ 45 minutes. Alors, laissez-moi juste un petit instant prendre mes petites notes pour rien oublier. Alors, voici. Alors, bienvenue à tous. Je ne sais pas qui est sur le direct en ce moment. Je ne vois pas vos commentaires. Alors, n'oubliez pas que si vous êtes sur mon profil personnel, je ne vois pas vos commentaires. Si vous êtes sur mon groupe privé, à ce moment-là, ils vont s'afficher. Alors, ce n'est pas parce que je veux vous ignorer. Inquiétez-vous pas. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, peut-être qu'ils sont ici pour la première fois, bien, mon nom est Sophie Poirier. Je suis auteure, conférencière et praticienne énergie. Voyons, excusez-moi, thérapeute énergétique. Donc, excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps. Voilà ce qui arrive à ma concentration dans ce temps-là. Alors, Pierre Blanchard et France Lebrun vont venir nous parler tantôt des molécules de signalisation. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Vous allez probablement apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est le but, hein, c'est d'apprendre des belles choses. Alors, avant la rencontre, j'ai eu la chance de préparer mes petites choses habituelles. Donc, j'ai mis mon encens, j'ai mis mon diffuseur d'huile essentielle, j'ai cleané les énergies avec mon pendule et j'ai évidemment pigé une carte. Alors, qu'est-ce que c'est notre belle carte ce matin? Alors, on a la carte de la confiance en soi. Alors, et c'est l'archange Michaël, en fait, qui est avec l'ange de la confiance en soi. Je trouve ça fabuleux parce qu'avant chaque conférence, je demande quelle carte qui peut parler aux gens qui vont écouter la conférence. Et en passant, que vous soyez ici en direct ou en rediffusion, ça n'a pas d'importance parce que pour l'univers, vous savez que le temps n'existe pas. Alors, l'important, c'est que si vous le voyez, le message est pour vous. Alors, la confiance en soi, c'est tellement un sujet qu'on aborde beaucoup, que j'aborde beaucoup dans mes livres, c'est tellement important. Donc, avec notre responsabilisation sociale qu'on est en train de développer dans le nouveau monde, c'est important aussi d'avoir confiance en soi. C'est difficile de créer notre propre vie quand on a un blocage au niveau de la confiance en soi. Alors, je trouve ça merveilleux. Et aussi, quand on a des épreuves de vie, hein, donc Pierre va nous en parler de ce qu'il a vécu et sa femme aussi, France, de ce qu'elle a vécu à ses côtés. Donc, vous allez voir qu'ils ont surmonté ça et que les molécules de signalisation ont eu une grosse importance pour eux. Alors, je vois que quelqu'un m'a dit bonjour, je vais aller voir si je vois c'est qui. Alors, allô Sophie, ah, c'est Cathy, ben, bonjour Madame Cathy. Alors, j'imagine que c'est Cathy McGregor. Bonjour, bonjour. Alors, où est-ce que j'en étais maintenant? Parfait. Donc, ici. Donc, on va faire bientôt notre minute du silence hein, pour demander en fait, demander qu'est-ce qu'on veut pour nous, hein, parce qu'on, c'est quoi qu'on veut demander à l'univers, et aussi qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver dans notre monde. Et ça, c'est vraiment une demande personnelle. Alors, c'est vous qui vous connectez avec la source, peu importe ce en quoi vous croyez, la source universelle, ça peut être moi, ça peut être le frère André, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, peu importe. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être connecté avec ce que vous ressentez. Alors, je vous invite bientôt à le faire, mais avant ça, on va mettre un petit peu de. On va vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler la journée. La semaine dernière, on a parlé beaucoup du pouvoir de visualisation et avec les belles explications qu'on a eues de mon amie Carole Dionne, elle est venue un petit peu démêler un petit peu cette confusion qu'il y avait justement du pouvoir de visualisation, ou ce qu'on peut plus appeler ça, hein, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de créativité, parce qu'elle nous expliquait en d'autres mots que l'être humain, on apprend par la vue, par nos oreilles, puis on apprend aussi par nos ressentis. Alors que quand
qu'on parle du pouvoir de visualisation, si on ne fait que visualiser, il manque peut-être des petites étapes pour réussir à vraiment concrétiser ce qu'on veut voir arriver dans notre monde. Donc, j'ai parlé beaucoup aussi des questions de perception. Je voulais, ça c'est donc la semaine dernière, je suis toujours dans la semaine dernière, on parlait des questions de perception, c'est tellement important. Comment on perçoit les choses d'une personne à l'autre, ça peut tellement faire une grande différence. Évidemment, j'ai parlé des structures organisationnelles. Je vous ai donné un exemple, je vais peut-être faire rire Cathy avec ça ce matin, de nos poissons dans leur bocal. Alors, dans la je ris parce que quand j'ai invité Cathy lors de la deuxième conférence, j'ai donné un exemple d'une analogie avec les poissons et la semaine dernière aussi. Alors, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'au niveau de notre hiérarchie, on a des bocaux, hein, on a des bocaux en bas. Donc, imaginez qu'on a des petits poissons dans chacun des bocaux. Après ça, on a des bocaux un petit peu plus gros, un petit peu plus, un peu plus beau, hein, un peu plus d'espace pour nager. Ensuite, on a une autre position un peu plus grande en haut et on a la position finale. Donc, même je vais regarder si je l'ai encore, peut-être que vous allez comprendre mieux, parce que c'est quand même important comme analogie, mes amis. Donc, je vais regarder si je l'ai encore d'enregistrer ici, sinon on va laisser faire pour là. Est-ce que j'ai la diapositive de la dernière fois? Les petits poissons, je ne me rappelle plus. Oui, on l'a. Voyez-vous, ce que je vous disais, c'est que quand on est en bas de la pyramide, on a beau être dans notre petit bocal, mais on nous voit pas. Hein? C'est tout brumeux. Les gens nous ignorent un peu. Après, on monte de niveau. On commence à avoir un petit peu des privilèges. Après, on a le troisième niveau. Et évidemment, c'est un exemple. Il peut y avoir plusieurs niveaux. Et on a le niveau supérieur où, à ce moment-là, hein, tout le monde nous admire. Tout le monde rêve d'avoir ce beau bocal, hein? Mais ils ne savent pas que c'est un bocal, évidemment. Alors, ce que j'expliquais aussi, c'est que dans toutes les périodes de l'humanité, il y a eu des gens qui étaient conscients que dans notre société, on avait beaucoup d'étiquettes sur le dos, qu'on avait beaucoup de barrières sociales et qu'ils ont refusé ces étiquettes, surtout quand ça les désavantageait. Et tout simplement parce que ces gens-là voyaient qu'il y avait autre chose en dehors du bocal, alors que la plupart des gens ne le savaient même pas qu'ils étaient pris dedans. Ils ne faisaient que sauter d'un bocal à l'autre, tout simplement, plutôt que d'être libre. Donc, l'exemple que je donnais, c'est par rapport aux Noirs, par exemple, dans le passé, quand ils étaient esclaves, des choses comme ça, la plupart des Noirs... ils n'aimaient pas leurs conditions, évidemment, mais ils pensaient que c'était la vie et qu'ils devaient subir ça malheureusement. Mais il y en a qui ont dit non. Il y en a qui ont dit non. Moi, je suis peut-être noire, mais ça ne veut pas dire qu'on va m'inférioriser pour ça. Je suis un être humain. Ça a été la même chose pour les femmes dans notre monde. On sait que les femmes ont été beaucoup diminuées par rapport à l'homme. Alors, il y a des femmes qui se sont levées et qui ont dit non. Moi, je refuse cette étiquette de femme inférieure ou de femme soumise. La même chose pour les homosexuels, par exemple. Donc, il y a des homosexuels qui ont dit « Pourquoi moi? Parce que j'aime une personne du même sexe que moi que je devrais être infériorisée ou mis de côté. » Alors, ces gens-là, le monsieur et madame tout le monde sont un petit peu comme ces gens qui observent le beau bocal et qui espèrent un jour accéder à ce bocal-là, et on sait que c'est pas tout le monde qui va y arriver, alors que les autres savent qu'en dehors du bocal, il y a l'océan. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y a l'océan en dehors des bocaux, est-ce qu'on va continuer à rester dans notre bocal puis nous battre les uns les autres pour essayer d'accéder à une position, hein, parce que plus qu'on monte, plus les positions sont restrictives, hein, donc il y a de moins en moins de positions, de moins en moins de gens qui ont la chance de décombler à ce niveau-là. Alors, donc ça, c'était ma belle analogie que j'ai faite un petit peu plus rapidement que la dernière fois, évidemment. Alors là, je reviens ici, laissez-moi un petit instant. Et puis, la semaine dernière, écoutez, j'avais tellement de préparer de choses que je n'ai pas eu le temps de parler du point critique. Parce que, évidemment, comme vous le savez probablement, la plupart d'entre vous, mes conférences, c'est le avant, le pendant et le après l'écriture de mes livres. Donc, et dans mes livres, je vous avais référé la semaine précédente un chapitre qui s'appelait « Le point critique ». Et dans ça, je parle beaucoup que justement, on arrive dans toutes les époques de l'humanité, il y a eu comme des mouvements que, bon, à un moment donné, ça a monté, ça allait bien, à un moment donné, ça a stagné. Et une fois que ça a stagné, ben, à un moment donné, ça s'est mis à redescendre. Alors, j'ai fait comprendre que
depuis le début de mes conférences, que dans le fond, on est dans un cercle vicieux. Hein? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais parce qu'on ne comprend pas les erreurs qu'on fait socialement. Donc, on revit toujours les mêmes difficultés. Un peu comme les gens, individuellement, hein, quand on entend beaucoup parler aujourd'hui, tant que tu n'as pas guéri ta blessure, tu vas les revivre dans des formes différentes. Mais moi, en écrivant mon livre et en étant guidée avec le frère André, j'ai réalisé que c'était ça pour l'humanité tout entière. Alors, ce n'est pas plus compliqué, mes amis. Alors, autant une personne peut se guérir, autant le collectif aussi peut être guéri. Il suffit juste parfois de comprendre. Et c'est, ça peut être beaucoup plus simple qu'on peut se l'imaginer. Donc, maintenant, ce que je voulais mentionner aussi, c'était les références pour cette semaine, en fait, à mes livres. C'était le chapitre 5, 6, 7 et 8. Donc, attendez un petit instant. Donc, c'était, les chapitres, le nom des chapitres, ça va vous dire un petit peu de quoi on va parler. Donc, ces enfants qui n'aiment pas l'école. Hein, donc, on va parler pourquoi il y a des jeunes qui n'aiment pas l'école, là, au juste. Mais je ne donnerai pas toutes les réponses aujourd'hui, là. Hein, on fait travailler au courant des, des conférences. On va parler aussi des mythes et du décrochage. Alors, ça se pourrait-tu que ça soit en réalité que des mythes, que c'est peut-être pas ça les vraies raisons pour lesquelles les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas l'école. Et est-ce que ça se peut même que les mythes viennent ajouter une barrière supplémentaire plutôt que de solutionner vraiment la difficulté? L'indissociable, un autre chapitre qui s'appelle l'indissociable, en fait, c'était pour montrer que l'essentiel d'avoir l'intelligence intellectuelle, mais aussi émotionnelle, mais non seulement d'avoir les deux, mais de l'avoir au même niveau. OK? Donc, ce que j'expliquais, c'est que au fil des siècles, on a développé beaucoup notre intelligence intellectuelle, mais qu'on ne savait pas que l'intelligence émotionnelle existait vraiment. On pensait que c'était juste de l'instinct, puis que c'était, hein, on n'avait pas besoin de travailler sur ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut comprendre que l'intellect, ça nous permet de développer des moyens. Mais c'est l'émotion, c'est l'intelligence émotionnelle et la conscience qui va nous permettre de diriger ces moyens-là. Alors, plus on évolue au niveau intellectuel sans faire évoluer l'émotionnel, ça peut être dangereux, là, parce que le but, c'est d'essayer d'équilibrer les deux intelligences. Je vous donne juste un exemple rapide. Autrefois, moi, si on parle dans les époques passées, les hommes se battaient à coups de, hein, d'armes blanches. Donc, il y avait moins de danger. Oui, il y avait des tueries, c'était épouvantable. Mais notre planète en tant que telle n'était pas menacée. Hein? Les gens pouvaient s'entretuer, mais il y avait quand même une limitation au niveau des moyens qu'on avait développés. Aujourd'hui, on s'entend qu'on a des bombes nucléaires. Hein? Vous savez, on a des choses qui sont... Notre intelligence intellectuelle a fait en sorte qu'on a développé des moyens de plus en plus sophistiqués et que si on n'utilise pas ces moyens-là pour aider les êtres humains, et qu'on les utilise plutôt pour détruire les êtres humains parce que notre niveau de conscience n'est pas équilibré avec notre intelligence intellectuelle, ça peut faire des méchants désastres. Ça peut même nous mener à la fin du monde. Hein? Donc, je ne veux pas partir des, des cancans. Et quand on parle qu'on est dans un nouveau monde qui vient de naître, en fait, c'est que c'est le siècle de la conscience. C'est un niveau énergétique. En fait, on augmente nos énergies pour nous adapter à ce nouveau beau monde qu'on n'a pas le choix finalement parce que si on ne s'adapte pas... Un moment donné, ça va péter tout bas de côté. Hein? Je veux dire, on ne peut pas laisser notre intelligence intellectuelle s'occuper de tout et bannir notre intelligence émotionnelle et notre niveau de conscience. Alors, mon Dieu, je parle beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, mais avant que j'aille plus loin, on va faire notre petite minute de silence. Donc, pour les gens que c'est la première fois qui sont avec nous aujourd'hui, je prends toujours une minute au début et une minute à la fin. Pour nous connecter. Donc, la première minute, c'est vraiment pour nous. Hein? Donc, est-ce que vous voulez demander à la source? Est-ce que vous voulez demander quelque chose, une guérison? Vous voulez demander, peu importe ce que vous voulez, vous demandez, vous pouvez le partager si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Vous le demandez pour vous et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans votre monde? Et à la toute fin, on va refaire une minute de silence, mais cette fois-ci, ça va être pour la paix et l'amour universel. Donc, je vous laisse une minute, connectez-vous. Et pour les gens qui ne savent pas quoi demander, tu sais, des fois, notre vie est difficile, puis on ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas. Bien, ce que le frère André disait, c'est de demander simplement à la source, aidez-moi comme vous aimeriez qu'on vous aide si vous seriez ici sur Terre à ma place. Parce que nous, des fois, Carole en a parlé aussi la semaine dernière, nous, des fois, on pense qu'on sait ce qui est bon pour nous.
mais la source le sait encore plus que nous des fois. Alors, abandonnons nous à la source et laissons les choses aller. Eux autres, ils vont nous aider là où on a vraiment besoin d'aide. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un certain lâcher-prise. Alors, on prend cette belle petite minute et je vous reviens. Alors, à tantôt. Alors, merci de vous prêter à l'exercice. Ça fait tellement de bien. Et à chaque fois que je termine ma minute de silence, je suis beaucoup plus calme. Hein? Parce que vous savez, quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, moi, j'ai fait beaucoup de directs dans ma vie. Puis je veux dire, je ne suis pas gênée de faire des directs. Mais quand que les choses nous tiennent à cœur, on a un petit peu des petits... un petit quelque chose en dedans qui nous fatigue. Là, on est un peu stressé par notre présence finalement, pas parce qu'on est gêné, mais parce que c'est important pour nous ce qu'on veut livrer. Donc, alors on y va avec un peu plus en détail là, de les sujets de la journée. Donc, parfait, ça j'en ai parlé. Alors, excusez-moi, je vais regarder quelque chose. Parfait. Alors, je veux revenir au niveau des questions de perception. Alors, évidemment, le point critique, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, c'est de comprendre, de réaliser qu'on est toujours en train de tourner en rond et que peut-être que de nos jours, hein, parce que quand on est en plein dedans, des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais tant et si longtemps qu'on n'a pas compris pourquoi l'humanité tourne en rond, on va recommencer. Alors aujourd'hui, c'est quoi le système principal qui mène nos sociétés? C'est beaucoup au niveau du système d'éducation. Alors je répète une fois de plus avant que les gens s'insultent ou peu importe, je ne suis pas contre le système d'éducation, mais je suis consciente qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur du système. Et moi, ayant été un enfant qui a détesté l'école, une adolescente qui a eu beaucoup de colère, beaucoup de peine lors de mon séjour dans le système d'éducation. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de parler et d'ouvrir l'esprit aux gens vis-à-vis de cette réelle douleur que beaucoup d'enfants vivent au niveau du système d'éducation. Et ça n'a rien à faire en passant avec le fait que je n'étais pas bonne à l'école, parce que beaucoup, c'est le premier préjugé, hein, quand on n'aime pas l'école, on pense qu'on n'était pas bon. Alors, ça n'avait rien à voir avec ça. Donc j'ai parlé, Donc, est-ce que notre perception pourrait changer, notre perception des choses, le fait de comprendre la réelle douleur de ces jeunes-là pourrait faire en sorte de trouver
une solution, des fois beaucoup plus simple qu'on pense. Parce que quand on parle avec les gens, puis on se dit, bon, ben le système d'éducation, est-ce qu'ils font des choses pour améliorer le système? La plupart des gens vont dire, ben oui, je veux dire, il y a quelque chose qui est un petit peu fermé au niveau du système d'éducation, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions, puis ils cherchent des solutions, puis ils cherchent hein, des solutions. Mais tantôt, je vais vous faire une belle analogie qui va justement déterminer que si on cherche des solutions et qu'on en met plusieurs en application, c'est peut-être en réalité parce qu'on ne comprend pas la problématique. Alors, parce que normalement, toute problématique, une fois qu'on l'a compris, ça peut se régler normalement assez simplement. Mais si on travaille sur les conséquences d'une problématique plutôt que sur la problématique même, on peut passer notre vie. On peut passer notre vie à trouver des solutions qui ne correspondront pas avec le réel problème et on va ne faire que tourner en rond. Et à un moment donné, ça va bien hein, au niveau du système scolaire. On a eu beaucoup de progrès. À un moment donné, on a pogné comme une espèce de plafond. Et là, on a eu des décrocheurs. Puis là, ça a commencé à descendre. C'était beaucoup plus difficile. Hein. On dirait qu'on était en train de perdre notre équilibre. On ne comprenait pas pourquoi les jeunes avaient de la difficulté. Alors, pourquoi qu'une fois de plus, on a instauré un système qu'on dirait est en train de perdre de sa puissance? Le but, c'est pas de perdre la puissance. Le but, c'est de comprendre ce qui fonctionne pas et de l'ajuster. Alors, l'ajuster en comprenant tout simplement. Alors, donc, allons-y simplement et vous allez voir que peut-être la solution est bonne. Je donnerai pas la solution aujourd'hui, mais on va s'en parler dans d'autres conférences. Mais par exemple, je vais vous apporter des points qui peuvent vous aider pour les autres conférences. Donc, bon, ici, j'avais parlé de ça, j'en ai parlé des structures organisationnelles. Donc, de comprendre hein, qu'on était dans des bocaux, finalement, c'est de prendre conscience que, en réalité, notre structure, ça devient limitatif parce qu'on se dit, bon, mais là, on est dans notre petit bocal, on ne peut pas dépasser ça et on ne sait pas qu'on est là-dedans, puis on continue à sauter d'un bocal à l'autre. Et ça, c'est au niveau scolaire, mais ça se poursuit au niveau du marché du travail. Puis c'est ça qui est important de comprendre parce que c'est le système d'éducation qui, à la base, a créé notre système de marché du travail, veut pas. Donc, ça a des répercussions pour plus tard. Donc, en d'autres mots, souvent, une personne qui ne cadrerait pas dans le système d'éducation, ça se peut qu'il ne cadre pas aussi dans le monde du travail. Pas nécessairement, mais souvent, c'est le cas. Pourquoi? Parce que c'est la même problématique qui est déplacée, ça, finalement. Donc, merveilleux. Donc, une chose que je voulais revenir aussi par rapport à ce que Carole nous a partagé par rapport à l'esprit, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de créativité, c'est qu'elle nous a donné un très bel exemple du lâcher-prise. Et moi, j'adore ça parce que ça m'a pris du temps à comprendre. Ça veut dire quoi, lâcher-prise? Hein? Vous savez que des fois, on a des problèmes et on se dit « lâche-prise ». Ben oui, lâche-prise. Ça veut dire quoi, ça, lâcher-prise? Hein? Quand on est dans les problèmes par-dessus la tête et qu'on nous dit « lâcher-prise », c'est pas tout le monde qui réussit à trouver la solution. Alors, Carole nous donnait un exemple. Si par exemple, vous semez des graines de piment, vous restez pas à côté, hein, vous restez pas à côté pour attendre que le piment sorte. Alors, vous faites confiance, hein, vous faites confiance, vous l'avez mis là, et maintenant, vous attendez que les piments arrivent, hein. Donc, des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être plus rapide, tout dépendamment de la température, c'est ce qu'elle nous expliquait. Alors, le lâcher prise, c'est justement d'être capable de se poser des buts, hein, et aussi de faire confiance à la source, donc de décrocher de ça puis de dire, là, j'ai mis ma demande, j'ai posé un geste, maintenant, je lâche prise, je sais que ça va se passer et je continue en ce sens-là et je vais créer ma vie et je vais régler des solutions beaucoup plus facilement que quand on veut tout contrôler. Parce que l'être humain, on est beaucoup dans le contrôle. On veut contrôler notre vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben non, c'est quoi qu'il faut faire là, pour que ça aille bien? Puis on est toujours comme sous pression et on pense qu'on a toujours quelque chose à faire. Oui, effectivement, on doit poser les bonnes actions, mais ça ne veut pas dire ça d'être accroché, OK? Donc, un lâcher-prise, le bel exemple que Carole nous a donné, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça, j'en ai parlé. Excusez-moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup de notes. Ah oui, donc, parfait. Donc, souvent, les gens ne réalisent pas
quand on parle des difficultés des jeunes à l'école, vous savez que quand qu'on parle des enfants, souvent on a tendance, les adolescents, on a tendance à penser en tant qu'adulte que c'est pas vraiment sérieux, hein, leurs problèmes, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas des problèmes d'adultes. Alors que si on comprend les difficultés d'un jeune, lui, dans sa perception, ça peut être très grave, ce qu'il vit. Ça peut l'affecter peut-être pour la vie même, ce qu'il est en train de vivre. Alors, moi, ce que je veux faire comprendre, et c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez le comprendre, mais ce que je veux partager avec vous, c'est à quel point que ça peut même aller des fois jusqu'à détruire complètement la confiance en soi. Vous vous rappelez la carte que j'ai pigée sur la confiance en soi? Ça peut détruire complètement la confiance en soi, le fait d'avoir beaucoup de paramètres, le fait d'avoir un système où le jeune ne cadre pas dans ce type de système-là. Ça peut même l'amener à un parfait désespoir et même jusqu'au suicide. Et je sais que c'est peut-être difficile pour vous, peut-être qu'ils n'ont pas vécu cette problématique-là, de vous dire, ben voyons, exagère pas, là, il y a d'autres choses en arrière de ça. Vous pourriez peut-être être surpris à quel point ça a un grand impact. Donc, je vais vous donner un exemple par rapport à une capacité que les êtres humains peuvent avoir physiquement et une capacité qu'on peut avoir mentalement. Okay? Donc, une capacité physique. Imaginez, par exemple, qu'on apprenne à patiner, hein, que les gens apprennent à patiner. Vous savez qu'il y en a, hein, que ouh, ça va leur prendre du temps à trouver leur équilibre, ils vont apprendre à patiner et ils ont beau pratiquer, il y en a qui ne seront jamais vraiment doués, mais ils vont apprendre à patiner. Ils vont être capables, à un moment donné, de se tenir en équilibre, ils vont être capables d'avancer. Et là, on compare à des experts acrobatiques, hein, des gens qui font des spectacles de patin artistique. Et là, on se dit, my God, c'est quoi la différence? OK? Donc, imaginez, par exemple, qu'on demanderait à une société entière, tout serait évalué en fonction de votre capacité à faire des prouesses sur la glace, comme les patineurs artistiques, et que les seules personnes qui y parviendraient seraient les seules qui auraient le droit à plus d'avantages dans la société, qui auraient le droit d'avoir un meilleur salaire, qui auraient le droit. Tout serait concentré uniquement sur ça. Donc, si toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas capable de tenir un équilibre sur tes patins, puis que tu travailles fort, bien, c'est bien plate pour toi, mais non, dans notre société, on valorise seulement les patineurs artistiques. OK? Donc, quand on comprend que le système d'éducation pendant des années a mis en valeur beaucoup l'intelligence qui était plus au niveau des langues et au niveau des mathématiques, on comprend qu'au niveau de la conception mentale des êtres humains, c'est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne ne peut pas performer. Par exemple, dans mon cas à moi, je réussissais à l'école. Je n'étais pas dans les premières de classe parce que je détestais l'école. Mais, je veux dire, je réussissais quand même à performer. Okay? D'une certaine, j'étais au-dessus de la moyenne générale, mettons. Donc, quelle est la différence, justement, entre le patinage artistique, où ce qu'on demande aux gens de tous devenir des athlètes olympiques, et au niveau du système d'éducation, où des fois, ça nous convient pas, mais qu'on doit pousser pour aller développer un type d'intelligence qui nous convient pas. Alors, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, à force de pousser, à force de mettre des étiquettes sur les gens, tu sais, de leur dire, mais là, tu n'as pas travaillé assez fort, là, parce que si tu travailles plus fort, tu vas être capable de faire des prouesses en patinage artistique. Travaille plus fort, t'entraînes-toi, va-t'en au gym plus souvent, mange mieux. Bon, là, on a tous les exemples qu'on pourrait donner. Et la personne, à un moment donné, elle se dirait, coudonc, là, elle ne connaîtrait pas rien d'autre, là, elle serait prise dans ce bocal-là. Elle se dirait, coudonc, moi, je suis vraiment un bon à rien. J'ai beau travailler, j'ai beau mettre des heures pour essayer de venir doué en patinage artistique, ça ne marche pas, je ne l'ai pas, je dois être un idiot, la société doit avoir raison. Alors, à force de se faire dire qu'on ne cadre pas, et toutes les raisons inimaginables qu'on peut inventer des fois pourquoi on ne cadre pas, plutôt que de dire « il ne cadre pas, mais il y a d'autres choses pour lui », bien, ça détruit la confiance en soi et on finit par croire qu'on mérite ça. Qu'on mérite ce traitement social-là, qu'on mérite les étiquettes et on les porte pour soi. Comme, encore une fois, je reviens avec notre exemple des Noirs, des homosexuels, des femmes. Et pourquoi je prends ces exemples-là, je le répète, c'est pas pour avoir des préjugés, c'est juste parce que, bon, je pense que pas mal tout le monde sait ce que les Noirs, les homosexuels et les femmes ont vécu au fil des siècles, OK? Donc, au niveau de l'évolution et tout ça. Donc,
Est-ce que toute cette forme de mépris, des fois, qu'on peut avoir par rapport à, bon, mais écoute, la personne qui n'est pas bonne à l'école, par exemple, c'est quoi qui c'est-tu parce qu'elle manque de motivation? C'est-tu parce qu'elle n'est pas intelligente? C'est-tu parce qu'elle ne sera jamais capable de faire quelque chose de bon dans la vie parce qu'elle n'est pas bonne à l'école? Peu importe les difficultés. On va dire aussi, bon, si elle n'aime pas l'école, c'est parce qu'elle n'est pas bonne à l'école. Parce que si elle n'aime pas l'école, c'est parce qu'elle n'est pas bonne à l'école, c'est. Ce qui est tout à fait faux. Donc, on invente plein de raisons pour lesquelles la personne n'aime pas ça, plutôt que de comprendre vraiment la vraie raison. Okay? Donc, est-ce que la personne qui fait du patinage artistique, puis qu'elle, elle l'a pas, c'est pas naturel pour elle, elle aime pas ça, elle trouve pas ça le fun, est-ce que ça vaut la peine de détruire toute sa confiance en elle ou on pourrait simplement lui offrir autre chose, sortir de cette barrière-là, puis qu'elle puisse s'épanouir? Parce que tous les êtres humains, mes amis, on est tous égaux. On est tous égaux. On a tous quelque chose à l'intérieur de nous, un trésor à l'intérieur de nous. Et vous savez qu'énergétiquement, on est tous reliés également. Donc ça, ce n'est pas seulement Sophie Poirier qui le dit, là. La science l'a prouvé qu'on est énergétiquement liés. Donc, à partir du moment où on comprend qu'on est énergétiquement lié, comment on peut faire en sorte de comprendre que le système d'éducation, par exemple, nous compare les uns les autres, nous positionne par rapport aux autres, alors qu'en réalité, on est tous égaux. Alors, il y a une faille au niveau du système qui crée une compétition et qui a créé une compétition entre nous et qui nous divise au lieu de nous unir. Donc, en partant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la nature des choses. Donc, si on bâtit des systèmes sociaux qui vont à l'encontre de notre nature profonde, c'est normal qu'à un moment donné, ça va bien aller, qu'on va pogner un plateau et que ça va se mettre à redescendre. C'est normal. Parce qu'on n'a pas compris, en fait, qu'il faut comprendre dans un premier temps qu'on est énergétiquement lié, qu'on est tous égaux. Et juste le fait de comprendre ça peut être beaucoup pour vous. Donc, encore une fois, j'accélère un petit peu parce qu'on a nos invités qui s'en viennent nous rejoindre. Donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous vous rappelez de la pyramide de Maslow que j'ai parlé aussi lors de la deuxième conférence. On a des besoins, les êtres humains, hein, on a des besoins d'appartenance, on a des besoins physiologiques, on a plein de besoins, on a besoin de se sentir important, utile et tout ça. Alors, est-ce qu'un jeune, par exemple, bon, qui n'aiment pas l'école ou que peu importe, ça ne fonctionne pas dans ça. Ça peut-tu aller des fois jusqu'à détruire le clan social, le clan, excusez-moi, mon petit chien se fâche après le chat. Donc, est-ce que ça peut détruire le clan social, le clan familial? Alors, les gens vont dire, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, ben non, tu sais, je veux dire, je l'aime mon enfant, là, ça peut pas être ça. Peut-être que vous, dans votre cas à vous, peut-être que c'est le cas, peut-être que votre enfant a pu avoir de la difficulté, par exemple, au niveau de ses études, peu importe, et vous avez été derrière lui, vous l'avez compris. Mais savez-vous qu'il y a des gens, des fois, que ça va même jusqu'à être déshérité parce que la personne n'a pas décidé d'aller chercher un diplôme. Ça peut même être d'être complètement ignoré par rapport à ses frères ou ses sœurs parce qu'on veut démontrer, hein, on veut démontrer que le bon exemple, donc hein, son frère, sa sœur, qui eux aiment l'école, ils performent, eux autres sont fins, eux autres sont beaux, ceux-là, eux autres sont intelligents. Mais toi, on t'ignore parce que toi, tu ne cadres pas dans ça. Alors, on ne le fait pas méchamment. Je veux dire, à part de quelques exceptions, je ne pense pas que les parents veulent réellement détruire leurs enfants. Ce n'est pas le but, OK? Alors, pour eux, c'est si je montre à mon enfant à quel point c'est important d'être bon à l'école, puis je mets beaucoup de valeur sur ça, on va finir par l'amener avec nous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ramenons-nous avec l'analogie simple du patinage artistique. Est-ce que parce qu'on valorise le frère, la sœur, parce que c'est un génie sur la glace, hein, il peut faire toutes les acrobaties possibles, et que notre autre enfant, il l'a pas, lui, est-ce que ça va faire en sorte qu'à un moment donné, il va devenir un spécialiste du patinage artistique, puis il va se mettre à aimer ça? Non. Donc, c'est important de comprendre que au niveau de la conception mentale, je parle énormément de ça dans mes livres, au niveau de notre conception mentale, on est différent. Les êtres humains. OK? Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le système d'éducation a tenté d'amener plusieurs types d'intelligence dans le système. Et ça, oui, c'est un plus, mais ce n'est pas la solution. OK? Il y a des gens qui sont libres et qui veulent être libres parce qu'ils savent inconsciemment qu'ils ne veulent pas être dans un bocal,
comme que je vous disais au début, puis la semaine dernière avec mon analogie. Ils ne veulent pas être dans ce bocal-là. Donc, toute leur vie, ils peuvent lutter. Des fois, ils peuvent lutter inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir toutes les étiquettes. Mais ils ont une résistance, mais ils prennent quand même sur leur dos les étiquettes. Ils se pensent quand même le stupide, celui qui ne réussira jamais dans la vie. Alors, on conditionne cette personne-là à l'échec, d'une certaine façon. Et une fois qu'il a échoué, on prend l'exemple de, voilà, il n'y a pas d'éducation, donc il a échoué. Est-ce qu'il n'a pas échoué parce qu'il n'avait pas parce qu'il n'a pas eu des gros diplômes ou il a échoué parce qu'on l'a programmé à l'échec? Alors ça, c'est une question à se poser aussi. Une personne qui grandit, toute sa vie se fait dire qu'il ne fera rien de bon dans la vie, il n'y a pas grand-chance qu'après qu'on ait détruit sa confiance en lui, qu'il fasse quelque chose de bon dans la vie. S'il n'est pas capable de s'intérioriser et dire, moi, je refuse les étiquettes et moi, je vais faire mes preuves. Alors, avec ou sans? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme, c'est pas ça que je dis, là. Je dis juste qu'il faut perdre l'obsession des diplômes et arrêter de croire que tout doit partir de là et qu'on doit se positionner les uns les autres en pensant que parce que tu as un tel diplôme, que tu es supérieur à un, tu es supérieur à l'autre. Non, on a des compétences différentes, tout simplement. OK? Donc, comme vraiment important aussi que j'amène l'idée que toute cette mentalité sociale-là se transpose à un moment donné au niveau du marché du travail également. Donc, on peut avoir au niveau du manque de valeur sociale parce que le fait d'être en compétition à l'école va faire en sorte qu'on va être en compétition sur le marché du travail. Est-ce que c'est une compétition saine? Est-ce que c'est une compétition saine de penser qu'on est supérieur à quelqu'un, mais que l'autre, c'est un moins que rien parce qu'il n'y a pas une position aussi haute que nous? Est-ce que c'est sain comme valeur sociale, comme valeur individuelle? Non. Alors, est-ce que ça peut faire en sorte aussi, tantôt je parlais que ça peut amener peut-être des jeunes jusqu'à un découragement, un désespoir qui peut même les mener jusqu'au suicide. Mais est-ce que ça se peut aussi que ça cause nos dépressions sur le marché du travail, que ça, parce qu'il y a un manque de valeur. Donc, les gens pour qui ils ont une intelligence émotionnelle plus développée ou une plus grande sensibilité, pour eux, ils ont de la difficulté à vivre dans ce monde qui manque de valeur au niveau du système scolaire et au niveau du système social, au niveau du travail. Alors, est-ce que ça peut développer des maladies à un moment donné? OK, des maladies mentales. Et pourquoi je dis ça? Reportons-nous dans le début des années 20, bon, c'était comme ça avant ça aussi, mais vous savez qu'il y avait, bon, ça avait beaucoup évolué au niveau de la machinerie et tout ça, donc on s'entend que les hommes travaillaient dans des endroits qui étaient très durs physiquement, donc ça prenait des hommes qui étaient forts pour manipuler tous ces gros outils-là. Donc, les femmes étaient un petit peu limitées aussi, hein, parce que veut pas, une femme aller travailler, la plupart des femmes n'étaient pas capables de faire un travail dur comme de bûcheron ou des choses comme ça avec les outils d'autrefois surtout. Donc le frère André, je reviens avec le frère André qui était un tout petit homme, il a beau essayer de fonctionner sur le marché du travail, il avait de la difficulté. Pauvre lui, c'était un tout petit homme, il faisait même pas 5 pieds, OK? Donc, est-ce que vous pouvez imaginer le frère André avec les grosses haches, pas les petites haches, mais les grosses haches que les hommes prennent là, pour abattre un arbre? Ça ne devait pas être évident pour un petit homme de même pas 5 pieds de faire ça à longueur de journée. Hein? Peut-être abattre un arbre, mais le faire à longueur de journée, c'est autre chose. Alors, on s'entend que le système n'était pas pour lui, heureusement, qu'à ce moment, il y a eu, à ce niveau-là, pour lui, il y a eu la religion qui l'a accueilli et qui lui a permis de faire sa vie. Aujourd'hui même, qu'il y a une renommée dans le monde, le frère André. Alors, malgré l'étiquette qu'il ne pouvait pas rien faire de bon au niveau du marché du travail, il s'en est bien sorti. Alors, c'est la même chose, en fait, pour aujourd'hui au niveau de la conception mentale. Alors, si autrefois, nos capacités physiques pouvaient faire en sorte de nous limiter par rapport aux outils du marché du travail, est-ce que ça se peut aujourd'hui que nos capacités mentales qui ne sont pas adaptées au système parce que c'est pas nous, c'est pas notre nature, c'est pas notre type d'intelligence, est-ce que ça se peut que ça nous empêche de bien travailler aussi et de performer? Parce qu'on nous oblige à travailler dans un système qui n'est pas fait pour nous. Alors, est-ce que ça se peut que ça peut contribuer, même à un moment donné, à une dépression, même parce qu'il y a un manque de valeur, il y a un manque de... C'est pas comme ça, moi, que je vois la vie, que je vois le travail. Je suis pas capable de me structurer de cette façon-là. Moi, j'aimerais plutôt me structurer d'une autre façon. Alors, c'est tous des points importants
à comprendre que ça peut même aller jusqu'à nous détruire à ce niveau-là. Maintenant, parce qu'il me reste déjà un petit 5 minutes, hein, donc je vais augmenter un petit peu la vitesse. Je veux vous parler d'une analogie, OK? Donc, par rapport justement au physique, à ce qu'on voit visuellement et aussi à la conception mentale. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous savez, aujourd'hui, hein, les handicapés, ils ont leur place, hein, au niveau du marché du travail. C'est pas parce que tu as un fauteuil roulant aujourd'hui que tu ne peux pas travailler. Hein? Puis, il y a d'autres types d'handicap. On va prendre l'exemple d'une personne qui est en chaise roulante. Alors, imaginez un instant qu'on soit pris dans des barrières sociales, OK? Avant là, que les rampes pour handicapés, que tous les fauteuils roulants, tout ça, là, avant que ça existe, là, les pentes là, pour monter là, dans les bâtiments et tout ça. Imaginez qu'on se rapporte avant que ça arrive. Alors, et que là, les gens, ils verraient la personne qui est handicapée, puis là, ils diraient, bien, viens travailler. Elle dirait, mais oui, mais je peux pas. Mais elle ne sait pas pourquoi qu'elle ne sait pas. Hein, elle est handicapée, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc, mais là, je ne peux pas travailler. Et là, qu'elle commence à avoir des étiquettes sur le dos. Ben voyons, t'es bien paresseux, tu ne veux pas travailler. Ah, ben là, voyons, t'es donc bien lâche, motive-toi un peu, viens travailler. On n'en arrivera pas à ça. Pourquoi? Parce que nos yeux nous permettent de voir l'handicap physique de la personne. OK? Et en passant, quand je parle d'un handicap physique, ça, c'est par rapport à une société. OK? On est né avec nos deux mains, nos deux bras, nos deux jambes. Mais ce n'est pas parce qu'il nous manque un bras ou qu'il nous manque une jambe qu'on est une personne inférieure. Non. Et si la nature des choses ne s'en mêle, les structures sociales ne s'en mêlent pas et qui laissent l'être humain évoluer avec cette différence-là, il va s'organiser puis il va réussir sa vie. OK, regardez des gens que j'ai vu des gens qui avaient pas de bras puis ils faisaient tout avec leurs pieds, leurs orteils et tout ça. Mon Dieu Seigneur, avez-vous déjà essayé de faire quelque chose comme ça, vous, avec vos orteils? Alors moi, je trouve ça impressionnant comment l'être humain, on se développe. Mais imaginez, par exemple, qu'on mette une règle ou qu'on mette une loi et qu'on ne peut pas déroger de cette loi-là et qu'on dise « interdit d'utiliser nos jambes ». Interdit. On ne peut pas utiliser nos orteils, on n'utilise pas nos orteils et qu'on impose ça à cette personne qui n'a pas de bras. OK? Est-ce que ça se peut qu'elle ne puisse pas se développer? Qu'on la bloque inconsciemment? Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je veux vous ramener, évidemment, au niveau de la conception mentale. OK? Donc, au niveau de la conception mentale, quand que les gens, je vais continuer mon exemple physique, là, quand les gens voyaient que la personne est en fauteuil roulant, peut-être que des gens qui se sont posés, qui se sont dit, ah, ben là, on ne mettra pas de l'argent pour des rampes, pour handicapés, pour des pentes, on ne mettra pas de l'argent pour ça, là, parce que là, ils ont juste à rester chez eux, il n'y en a pas assez d'handicapés. Hein? On va les mettre de côté, puis on va continuer. Mais il y a des gens qui ont dit non. Moi, j'ai une différence. Ce que vous appelez un handicap, là, pour moi, c'est une différence. Et je décide que moi, j'ai envie de participer à la création de notre société et de participer à tout ça. J'ai pas envie, moi, d'être dans ma chambre à longueur de journée puis rien faire parce que j'ai une différence. Donc, ces personnes-là se sont battues, hein, parce qu'il a fallu qu'ils imposent leurs idées à un moment donné puis qu'ils ont dit, hey, ça nous prend ça. Ça nous prend ça, nous autres, pour pouvoir venir sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, c'est une affaire réglée. Hein? On développe de plus en plus les moyens pour aider les personnes de tout type d'handicap. Et je déteste employer le mot handicap parce que pour moi, ça n'existe pas un handicap. C'est une différence. Okay? Donc, on n'est pas comme la norme, donc on devient différent. Donc, on comprend ça. Maintenant, au niveau de la conception mentale. Ça se peut-tu qu'un jeune, okay, ou un adulte, là, peu importe, là, okay, on va prendre l'exemple d'un adulte sur le marché du travail, qu'il fait une dépression. Okay? Il fait une dépression parce que là, ça ne marche plus, il ne se sent pas bien à l'intérieur. En tout cas, il y a plein de. Il n'est pas capable de s'adapter à ce monde-là, peu importe. Et là, il se fait dire, motive-toi, franchement, viens travailler, t'es donc bien paresseux, là. Pourquoi tu restes chez vous à rien faire? OK? Là, je fais les parenthèses rapides parce que je vois le temps avancer, OK? Mais je crois que vous pouvez faire la déduction de ce que je suis en train d'expliquer, OK? Donc, est-ce que cette personne-là, si elle accepte les étiquettes, elle dit, c'est vrai que je suis paresseuse, moi, c'est vrai que je manque de courage, c'est vrai que je manque de caractère, moi, je ne suis pas capable d'aller travailler avec ma dépression, puis
ça se peut qu'elle s'écrase, cette personne-là, parce qu'elle a accepté les étiquettes. Mais peut-être aussi qu'elle va s'en sortir en disant non, moi, écoute, j'ai eu la difficulté, je vais me guérir de ma difficulté et je vais revenir en force. OK? Alors, mais le système aussi fait en sorte que les gens qui ont des différences au niveau des fois, soit une maladie mentale ou soit nos conceptions de la vie différentes, fait en sorte que ça nous met des barrières réelles sur le marché du travail, au même titre que autrefois, un petit homme aurait eu de la misère à travailler sur un chantier, hein? Donc, ce n'était pas évident avec les outils qu'on avait. Donc, une fois qu'on a démêlé ça un petit peu dans notre tête, qu'on a mis une image sur ça, ça nous aide aussi à comprendre la différence entre le visible et l'invisible. Et n'oubliez pas que quand on développe l'intelligence intellectuelle, c'est du subtil. On parle de l'intelligence, on parle des émotions. Tout est invisible. Alors, si tout est invisible, au lieu de travailler physiquement de nos muscles, est-ce que ça se peut que si, quand on travaillait physiquement, on avait beaucoup de blessures physiques, est-ce que ça se peut que si on travaille beaucoup mentalement et qu'il y a des choses inadéquates pour nous, que ça vienne à briser quelque chose au niveau de notre cerveau? Est-ce que ça se peut? Et je fais juste des hypothèses pour l'instant. OK? Donc, tout ça pour vous dire, on va revenir à nos exemples du système d'éducation, OK? Qui ont trouvé, hein, combien de solutions que le système d'éducation ont essayé, hein? Une solution, deux solutions, cinq solutions, 20 solutions, 10 000 solutions, combien est-ce qu'ils en ont trouvé, qui ont essayé d'en implanter et d'en trouver de différents? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'aujourd'hui, tout va bien? Est-ce que le nombre de décrocheurs est réglé? Ça se peut-tu qu'ils ont travaillé sur les conséquences plutôt que sur la problématique? Alors, je vous pose une question. Quand vous avez vu, quand vous êtes capable d'imaginer de voir la personne handicapée avec son fauteuil roulant, OK, est-ce que ça va être long? Mettons que vous vous mettez ardemment à chercher une solution. Est-ce que ça va être long avant de concevoir une idée qui ressemble à une rampe et une pente pour les handicapés? Non. Est-ce que ça va vous prendre 2 solutions, 10 solutions, 20 solutions, 1 000 solutions, 10 000 solutions? Non. Ça va venir vite à votre esprit. Vous allez voir rapidement, bien là, écoute, hein, là, un fauteuil roulant, ça roule, on va trouver une façon pour qu'elle roule et qu'elle puisse rentrer dans le building. Hein? Donc, ça, cette déduction-là va se faire rapidement. Donc, dites-vous bien, retenez ceci de l'analogie, c'est que si vous avez 1 000 solutions et qui ne fonctionnent pas, c'est parce que vous ne comprenez pas la problématique et vous travaillez sur les conséquences de la problématique plutôt que sur le problème réel. Mais je peux vous garantir une chose. La journée où vous allez avoir une image mentale comme celle que je tente de vous transmettre en ce moment, une image mentale de la différence de nos conceptions mentales, on va trouver rapidement la solution. On n'aura pas besoin de 10 000 essais. Parce qu'à partir du moment où on l'a vu en réel ou qu'on l'a imaginé on est capable de le voir, on trouve la solution pour régler ce problème-là. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris la problématique, c'est impossible. On va faire que travailler sur des conséquences. Donc, si un jeune va à l'école, il n'aime pas le système d'éducation, il est malade quand il se rend à l'école, il ne se sent pas bien, et qu'on travaille sur sa motivation à continuer à vouloir aller à l'école, mais le motiver, est-ce qu'on travaille sur une conséquence ou sur la problématique? Alors, pensons à ça, je vous demande seulement d'y réfléchir au niveau de ce qu'on est, au niveau de cette étape de notre 4e conférence. Alors, j'en ai encore beaucoup à vous dire, mes amis, mais si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, évidemment, il y a les chapitres de mes livres que je vous ai conseillés. Les gens qui sont sur le groupe privé, vous les avez en vocaux, donc vous pouvez écouter mes livres là, sur le vocal. Donc, maintenant, on va accueillir nos grands invités de la journée. Bonjour, mes amis Pierre et France. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien, Sophie. On est vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui, oui. Avec la gang.
Oui, hein? Ben, écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir. Puis en plus, ben merci, vous m'avez dépanné ce matin. Hein? C'est plus le fun d'avoir un invité que, que je parle tout seul pendant une heure et demie, puis que la semaine d'après, on est en fait seulement des invités. Donc, c'est le fun, on a bien équilibré ça ce matin. Merci beaucoup à vous d'avoir été réceptif par rapport à ça. Donc, ben écoutez, on va y aller droit au but. Hein. J'ai parlé tantôt, vous avez vu, j'ai parlé des molécules de signalisation. Alors, on ne sait pas vraiment c'est quoi, donc c'est certain, je vais vous demander d'en parler un petit peu. Mais avant ça, j'aimerais ça, Pierre et France, que vous vous présentez, que vous dites qui vous êtes. En premièrement, vous êtes un couple, là, si on le sait. Mais dire en les grandes lignes, puis qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, Pierre et France, par rapport à l'accident que tu as eu? Je vous laisse parler un petit peu. Bon, ben moi, c'est Pierre Blanchard. On est à Sherbrooke. Je suis un ancien agent de voyage, donc j'étais conseiller au niveau de croisière. France? Ben moi, j'oeuvre dans le domaine communautaire depuis 25 ans. Fait que, puis il y a 25 ans aussi, on s'est mariés. Fait que dans le fond, dans mon travail, j'ai tout été au niveau de l'entraide, de l'écoute des autres aussi, de regarder à trouver des solutions pour les gens, là. Et qu'est-ce qu'il y a eu un gros changement dans votre vie? Ben, le gros changement, c'est que à la suite d'une grande maladie qui était arrivée en juillet 2020, qui restait encore, c'est-à-dire en 2018, excusez. En 2020, c'est qu'il restait encore à ce moment-là. Il y avait de la paralysie aux pieds, des engourdissements très forts, il y avait des douleurs aux mains. Et je prenais une médication parce que le médecin donnait une médication pour m'aider à amoindrir, si je peux dire, un peu soulager ces douleurs-là. Mais Pierre, juste avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux juste dire un petit peu plus, c'était quoi exactement? Je veux dire, tu as eu un accident? Juste dire aux gens, c'est quoi que tu as eu, là, les grandes lignes? Là. OK. Bien, ce que ça faisait comme symptôme, c'est que j'étais paralysé de la tête aux pieds. OK. Donc, j'ai été obligé de réapprendre à parler, à ranger, à parler, à me laver. Mais même, tu sais, c'est ça, à l'intérieur de 3 jours, dans le fond, tu sais, il est parti de pleinement en santé. À ce soir, être paralysé, plus être capable de se porter sous ses jambes. Fait que, comme on ne savait pas trop c'était quoi, on pensait au début que c'était peut-être, je ne sais pas, peut-être un air de coincé ou autre. Mais au fil des jours, on voyait que c'était autre chose, mais on ne savait pas au juste c'était quoi. Fait que finalement, il s'est retrouvé... À l'hôpital. Fait qu'après une journée ou deux, ben, ils se sont aperçus que c'était oui, quelque chose d'assez grave. Fait qu'ils l'ont transporté aux soins intensifs. Et j'ai fait 2 AVC. Ouais, il était aux soins intensifs plus de 2 semaines. Il était hospitalisé 3 mois. Puis il y a eu de la réadaptation physique par la suite. Là. Fait que ça a été une grosse épreuve pour vous deux, hein, parce qu'il ne faut pas t'oublier, France, là-dedans. Hein, parce que c'est ah oui, c'est pour ça que je... Ouais. C'était très dur. Oui. Wow. Ça, c'était la première étape qui était très dure. Mais en décembre 2020, en novembre 2020, ce qui commençait à être dur, c'est que, oui, physiquement, j'étais mieux, mais mentalement, j'allais de moins en moins bien. J'avais des pertes de mémoire, je ne savais plus des fois où j'étais, tellement à un moment donné, je sortais, puis j'en avais pas conscience, tout à fait, ce qui se passait avec moi. C'est qu'on me disait, ah, t'as fait ça, Pierre? Oh, ouais, OK. J'avais pas. Et c'est l'effet de la médication du médecin. Des fois, on dit, oh, les gars, hein? Mais là, c'est un peu ce niveau-là. Là. C'était plus grave que ça, là. Oui. Puis par ailleurs, j'étais rendu. Oui, bonjour, Sophie. J'avais plus d'énergie. Plus d'énergie, puis tu avais de la difficulté. Et c'était normal. C'est pour ça que je rencontrais mon médecin par Zoom. La dernière fois que j'avais rencontré pour le nouveau protocole de 4 mois, c'était justement en Zoom, mais le matin très tôt, parce qu'à la fin d'avant-midi, j'avais plus d'énergie. Et même des fois, à la fin de la conversation, c'était comme, j'étais rendu comme ça. On a dit, bon, on a assez, on va se reparler un autre moment. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, on m'a parlé des molécules de signalisation. Et j'ai commencé à en prendre en liquide. Et quand j'ai commencé à en prendre, je ne savais pas si ça pouvait me faire effet, mais la personne qui m'en avait parlé avait de la hypertension en yo-yo et ça s'était stabilisé.
Et qu'est-ce que les molécules de signalisation, juste pour situer un petit peu les gens? Oui, les molécules de signalisation, on retrouve à nouveau des cellules à mitochondrie. Donc, c'est là qu'il se fait comme un signal, un peu comme un Wi-Fi, qui va faire une signalisation au niveau de tout le corps. Donc, c'est quelque chose qui est natif déjà, qu'on produit notre corps. Mais à partir de l'âge de 12 ans, on en perd 1% à chaque année. Si on n'est pas en forme physique, on a des problèmes de santé, on en perd plus. C'est ça aussi. Et ce qui fait que, et c'est la chose que le médecin, c'est mon médecin, j'en parlerai un petit peu plus loin, qu'on est capable de savoir médicalement que c'est le dernier signal de vie. Quand il n'y a plus de signalisation dans le corps, les molécules ne sont plus là, c'est arrêté. Parce que même dans le coma, on est capable de voir, tu sais, des fois on dit, personne ne peut nous entendre, tout ça. Oui, parce que elle est faible, mais encore, ça travaille. C'est comme le Wi-Fi, il est très, très faible. On n'a pas toujours le lien. Tandis que quand que c'est vraiment performant, bien, c'est là que le corps se régénère et beaucoup mieux. Donc, si je comprends bien, en fait, avec moi, si je me trompe, les molécules de signalisation, il n'y a personne qui peut être allergique à ça vraiment. Parce que, je veux dire, ça fait partie de notre corps, finalement. C'est naturel. Exactement. Okay. Exactement. Puis, c'est ça qui est particulier. Donc, c'est pas une vitamine, c'est pas un supplément, c'est pas rien de ça. C'est quelque chose qui est natif. On parle souvent de choses naturelles. Et des gens vont être allergiques à des produits naturels. Les gens ne peuvent pas être allergiques à ça. Et c'est la chose que j'ai posée aux questions en janvier 2011, parce que j'ai senti, oups, il se passe de quoi? Et là, je me suis aperçu que je faisais des choses qui n'étaient pas brillantes. J'étais conscient en 2003, puis oublié. Là, j'ai commencé à dire, oh, je viens de faire ça, je vais le fermer. J'ai commencé à prendre des consciences parce que justement, une molécule de signalisation est en train de travailler au niveau aussi de mon cerveau. Mm-hmm. Et je commençais à bouger les pieds plus au niveau des orteils. Donc, j'ai aussi commencé aussi, il existe aussi une formule en gel. Et en gel, ben, j'en étais pour mes mains parce que le soir, je n'étais plus capable de plier mes doigts rendu vers 7h, 7h30. J'avais de la misère à plier. C'était difficile. Comme l'ordinateur, c'était plus difficile, là. Oui, très, très, très. Et j'avais des douleurs. Et j'ai vu une différence, ça aussi. En janvier 2011, les phases passent, et je vois mieux, et je fais un zoom avec mon docteur. Mais habituellement, je le faisais autour de 9h, 10h. OK. Je le fais à 1h d'après-midi. Je fais le zoom. Je dis « Bonjour, docteur! » « C'est qui ça? Hein, »« C'est M. Blanchard! »« Pierre Blanchard! »« Mais voyons, ça ne peut pas être vous! »« C'est quoi vous prenez? » Là, il ne te reconnaissait pas, là, le docteur. Non, parce qu'il s'attendait toujours, parce qu'il sait que la médication, c'est comme ça faisait, parce qu'il n'y avait rien d'autre à m'offrir, si ça faisait baisser l'énergie et ça faisait que... Aussi, je n'avais pas un teint comme aujourd'hui, là. Un teint plus pâle, plus... Donc, je l'ai vraiment malade. Et là, il voit quelqu'un. Il dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé aux fêtes? Ça n'a pas été long, là. Hein? La période n'a pas été longue, là. Ben, c'est 3 semaines. Ça a pris 3 semaines pour voir vraiment des bienfaits. Il y en a que c'est plus rapide. Il y en a que c'est moins rapide. C'est le corps qui décide. C'est le corps qui guérit à partir des molécules de signalisation qu'on lui redonne. Puis là, j'imagine, Pierre, que le médecin, par rapport à ça, il devait connaître ça. Est-ce que le médecin... Ben, c'est ça qui est spécial. Ben oui. Okay. Okay. Parce que quand j'y ai parlé, parce que le médecin quand même qui était relativement jeune, parce qu'il a étudié dans les années 90, et en 90, c'était la découverte des molécules de signalisation, et en 98, il a vu aussi que ça allait gagner le prix Nobel de médecine et de physiologie, cette découverte-là. Donc, les nouveaux médecins, c'est sûr qu'ils connaissent ça, là. Oui. Okay. Les plus vieux, moins. OK. Et même au niveau de l'Université de Montréal, il y a un cours qui parle des molécules de signalisation. J'ai appris dernièrement. Et là, forcément, si je comprends bien, le médecin ne t'avait pas offert cette solution-là. Là. Non, j'ai posé la question. Ben oui. Comment elle n'avait pas offert? Ben, c'est pas en pharmacie. Et je n'avais rien d'autre à t'offrir. Ce n'est pas en pharmacie, je n'avais rien d'autre à t'offrir. Oui. Et l'autre chose, j'ai dit, ben, y a-tu un problème de prendre ça? Ben, il dit, il n'y a pas de contre-indication médicale tellement. Si tu n'en aurais pas dans ton corps, tu meurs. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui. Ben, je n'avais pas appris. Déjà, je commençais à comprendre un petit peu. J'avais fait des recherches.
Mais c'est lui qui m'a appris plein de choses. Il m'a appris que, justement, il n'y avait pas de contre-indication médicale. Et c'était utilisé par l'Institut de cardiologie de Montréal pour la régénération des cellules cardiaques. Il m'a appris ça. Mmh, hein? Mais moi, la question que je m'interroge, Pierre, parce que je veux dire, il y a une raison pour laquelle je vous ai invité, évidemment. Hein? Moi, ça me fascine de voir, je veux dire, par où est-ce que vous avez passé, toutes les deux, hein, parce que autant pour France, ça a été difficile de t'accompagner dans ça. Oui. Moi, je me dis, bon, pourquoi que si on a des solutions socialement, que à quelque part, le système vient un peu empêcher ces solutions-là de peut-être être offertes. Mon médecin me l'a dit, Sophie. OK. À cause du Collège des médecins, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas l'empêcher d'en prendre. Ben même mondialement, le fondateur de la compagnie, en fait, avait été au tout début en parler parce que c'était quand même quelqu'un qui était vraiment impliqué, puis vraiment un homme d'affaires aussi. Il avait été d'en parler aux grands pharma, hein? Puis après étude et tout ça, le grand pharma, il était intéressé à voir le produit, mais... Surtout que des gens de sa famille qui avaient commencé à utiliser, qui avaient des problèmes de santé, qui amélioraient, qui étaient super contents. Oui, c'est ça, parce qu'il l'avait, dans le fond, il l'avait fait tester par quelques personnes, mais quand il a rencontré ces personnes-là, par la suite, entre les deux rencontres avec les Big Pharma, il a réalisé que ces personnes-là avaient déjà partagé avec d'autres personnes que les bienfaits s'étaient décuplés. Puis, dans le fond, quand il est revenu au Big Pharma, eux, ils leur ont dit, oh, ben, on est prêt à vous offrir une offre tellement généreuse là, que vous ne pourrez pas refuser. Mais la condition, c'était qu'ils détruisent tout ce qu'ils pouvaient savoir à propos de ce produit-là, puis même si c'était breveté, qu'il avait réussi avec les recherches et tout ça à le stabiliser, parce que l'Institut de cardiologie n'est pas stabilisé, parce que c'est quand même un produit unique au monde. Fait que, bien entendu, ils ont refusé l'offre des Big Pharma. Et une chance! Oui, parce que s'ils n'avaient pas refusé... J'aurais pas la santé que j'ai! Pierre n'aurait pas la santé qu'il a. Je pourrais pas partager à plein de gens que présentement, c'est en train d'améliorer leur santé. Exact. Parce que pour vous autres... C'est un beau cadeau. Exact. Puis toi, tu es toujours émotif, Pierre, hein, quand tu en parles. Parce que tu sais par où t'as passé. Puis à un moment donné, tu devais te demander, je vais-tu m'en sortir? Comment je vais finir? Hein? Même s'il y avait des passes où tu n'étais pas conscient de ce que tu vivais vraiment parce que tu avais trop de confusion. Ben, France, ça se posait la question quand avec ma tête que ça n'allait pas, là. Qu'est-ce qui va se passer avec Pierre? Tu vas être obligé de le placer. Exact. Donc, ça avait une grosse répercussion. Puis pourtant, il y avait une solution qui pendait au bout du nez, mais vous ne la connaissiez pas jusqu'à temps que finalement on vous en parle. C'est ça que la vie nous amène une solution, là. Alors, c'est triste. C'est triste quand même que des fois, par rapport à certaines structures sociales, parce qu'on parlait tantôt, je parlais beaucoup dans des structures, que des fois, il peut y avoir certaines barrières qui nous empêchent de voir certaines choses à laquelle on peut avoir accès, mais qu'il y a des barrières qui nous limitent. Et parce que les barrières, un peu comme les bocaux que je parlais tantôt, c'est qu'on pense que c'est le max, que c'est le plus gros, le plus beau, hein, quand on est rendu dans l'immense aquarium, on pense qu'il n'y a pas rien au-dessus de ça, jusqu'à temps qu'on se rende compte que l'océan. Alors, c'est pas le fait d'être dans le bocal le problème, parce qu'on peut être bien dans le bocal, hein? On a des petits poissons des fois qui sont dans le bocal, puis ils n'ont pas l'air si malheureux que ça. Mais si on a accès à l'océan, pourquoi ne pas aller dans l'océan? Alors, si on a des moyens, pas de mettre la médecine de côté, parce que la médecine a fait des choses incroyables pour les gens. Exact. Même au niveau de la médication, on est content des fois d'avoir certaines médications qui nous ont énormément aidés. Mais pourquoi ne pas laisser notre esprit ouvert et dire, c'est correct, on peut aller vers ça, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce que j'ai au moins l'ouverture d'esprit de voir autre chose? Ou... La barrière sociale a fait en sorte que c'est venu barrer ma tête aussi, puis me dire, moi, ça ne fonctionne pas, les médecins ils ont dit que je n'y arriverais pas, et je reste dans ça parce que je ne réalise pas qu'en dehors des barrières, il y a autre chose. Puis les médecins qui le réalisent, ça, ben, ils quittent le monde, ils quittent leur cabinet. Puis ils voient qu'il y a plus d'impact. Il y a beaucoup au niveau médical, au niveau de la compagnie, dans toutes les professions médicales,
même au niveau animal, parce que c'est pas seulement pour... Parce que les molécules de cisiation, on en trouve dans tous les êtres vivants. Des êtres vivants, OK. Mm. Donc, les plantes et les animaux. Et les animaux ont des percussions très fortes. Très fortes, parce qu'eux autres, il n'y a pas l'effet, comme on dit, placebo. Parce que des gens me disaient, parce que tu veux tellement que tu guéris. Je vais l'essayer pareil. Mais tu voulais quand même avec des médicaments, mais ça n'a pas marché. Ouais, mais écoute, j'ai quelqu'un qui me disait ça. Elle a un animal qui est malade. Elle en fait prendre en liquide. L'animal revient. Elle évite un vétérinaire. Elle dit, je peux pas dire que c'est le chat. Il a voulu absolument, là. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas... Moi, je pourrais dire, moi, j'ai voulu absolument être mieux. Ben, le chat, lui, c'est naturel. Il a juste pris ça, puis ça s'est fait tout seul. Mais ça a pris son animal pour lui aider à sa croyance. Exact. Hey, c'est vraiment intéressant, hein, comme... Alors, je ne sais pas... Aussi au niveau de, j'aime ça ton analogie au niveau des bocaux puis des poissons, là. Oui. Parce que, avec l'effet que, dans le fond, les molécules de signalisation ont eu avec Pierre, on aurait pu décider de rester dans notre bocal puis de garder cette information-là qui nous avait été partagée. Et il y en a qui le font aussi. Mais on a décidé de changer pour un aquarium, de le partager avec d'autres. Mais depuis l'année passée, quand on regarde tous les effets, tout ça, bon, mais je pense qu'on est rendu à l'océan. Puis je pense que c'est vraiment l'humanité qui a besoin de ça. Parce que ça fait juste 15 mois que j'en prends. Ça fait 14 mois qu'on partage, qu'on a un impact, et ça s'est rendu à toi, Sophie. Oui. Oui, puis... Ça a fait une différence pour toi. Oui, ça a fait une différence au niveau de mon énergie, mais je vous raconte rapidement, parce que je veux quand même laisser la place à Pierre et à France. Bien, c'est important. Toi aussi, tu partages. Oui, je veux le partager, parce que oui, effectivement, je ne sais pas ce que j'avais, parce que je n'avais pas été chez le médecin, OK? Mais j'avais une espèce de... Ça avait l'air d'un gros bouton, excusez l'expression, mais au niveau du sein droit. Et après, je ne me rappelle plus combien de semaines, au moins 6 semaines, ça faisait juste comme s'empirer. Hein, il n'y avait pas d'amélioration là. Et moi, je ne suis pas une personne qui court les hôpitaux. Je trouve ça plate. Hein, je n'aime pas aller dans les hôpitaux. Mais je vais vous dire une chose, je commençais à être inquiète. Je me dis, coudonc, c'est-tu un cancer? C'est quoi au juste? Je ne sais pas. Finalement, je ne l'ai jamais su. Mais ce que je peux vous expliquer, par contre, c'est que Pierre et France, quand ils sont venus chez moi, parce qu'ils ont parti de Sherbrooke, ils sont venus à Longueuil pour me rencontrer, c'est tellement des personnes avec un grand cœur, et que je l'ai essayé, le gel, n'oubliez pas, là, ça faisait au moins 6 semaines que j'avais ça et ça ne partait pas. La première journée que j'ai commencé à appliquer le gel, j'ai commencé à voir diminuer ce que j'avais au niveau du sein droit. Et après, même pas une semaine, j'avais plus aucune marque. Aucune marque. Alors, ce que c'était, j'en ai aucune idée. Comme je vous dis, je ne sais pas, ça n'avait pas été diagnostiqué. Mais je peux vous dire que c'était assez pas beau pour que j'étais inquiète pour aller passer des tests, là, parce que je me demandais vraiment c'était quoi. Okay? C'était plus qu'un simple bouton, ça, je peux vous le dire. Donc, tout ça pour vous dire que on n'est pas là pour dire qu'on était guéri miraculeusement, des choses comme ça. Mais, mettons-le en pratique pour nous et voyons ce que ça nous apporte. Merci à Pierre et à France de me l'avoir apporté parce que moi, j'étais rendue découragée. Là. Je me posais vraiment des questions et j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, et en passant, Pierre, je veux te dire une chose, c'est que ça fait combien de temps qu'on se connaît à peu près? Là? 6 mois à peu près? Ça fait quelques mois, ça fait 6 mois peut-être? À peu près, peut-être. À peu près 6 mois? Moi, je peux vous dire, là, on s'est parlé une couple de fois, là, dans les 6 mois. Et je peux te dire aujourd'hui que ton langage est plus clair que quand je t'ai connu. Ah, ça s'améliore tout le temps. Ça s'améliore tout le temps, oui. Parce qu'au début, tu avais plus de misère. Des fois, l'articulation n'était pas encore tout à fait là. Et là, ça va bien ta prononciation. On comprend très bien ce que tu dis, toi. Donc, on le voit qu'il y a une progression encore. Donc, ça t'aide encore à améliorer les petites choses qui te restaient. Alors, il y a une chose que je vais vous dire, parce que là, on achève, hein, il nous reste à peu près un 5-10 minutes.
Pierre, moi, j'aime ça donner des défis aux gens. Hein? Comme la semaine passée, j'avais donné le défi à Muriel, mon amie qui vient de sortir de 3 mois d'hôpital après plusieurs AVC et un cancer et tout le kit. J'avais donné comme défi de venir à ma conférence. Parce que moi, je me dis, tu sais, pendant que les gens disent, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, oh, dis pas ça, hein, t'es malade, t'es folle, Dan, ne m'en dis pas ça. Hein. Des fois, on se fait passer quand on fait des choses contraires à ce que les gens nous font normalement, on se fait prendre pour des fous. Hein? Mais moi, je me suis dit, au contraire, on faut continuer à avoir des rêves, il faut continuer à avoir des défis pour garder justement le sourire puis garder l'enthousiasme, cette belle vie à l'intérieur de nous. Alors, j'ai donné ce défi-là Muriel, dès qu'elle va avoir la chance, je sais qu'elle va venir, mais là, après ce qu'elle a vécu, on comprend là, que deux grosses journées de party quand elle est malade, là, ça a été quelque chose. Donc, et c'est la même chose pour Pierre. Donc, je lui ai lancé un défi. Alors, je vous explique le défi que j'ai lancé à Pierre et ça n'a pas, ça t'a pas pris du temps à me dire oui. Hein? Alors, ça n'a pas été de venir aujourd'hui parce que ça, tu en avais déjà fait. C'est un défi aussi peut-être de venir en direct, mais c'est pas ce gros défi-là que je t'ai donné. Alors, le défi que j'ai donné à Pierre, c'est que dans mes livres, j'ai un chapitre, un seul chapitre. Et quand j'ai commencé à enregistrer les vocales de mes livres, j'avais complètement pas pensé à cette difficulté-là que j'aurais. J'ai un chapitre où c'est une conversation entre un homme et une femme. En fait, c'est de moi avec un ami imaginaire. Donc, j'avais besoin d'une voix d'homme. Alors, mes talents de comédienne, peut-être qu'il aurait pu... ça aurait peut-être pu marcher, j'aurais pu prendre ma grosse voix, mais ça aurait peut-être pas eu le même effet, OK? Donc, j'ai demandé à Pierre de faire la voix d'homme pour ce chapitre. Alors, ça s'appelle « La visualisation à bien meilleur goût » et c'est, en fait, c'est le premier chapitre du tome 2. Hein? Donc, c'est pour ça que j'avais mis finalement Pierre et France la semaine suivante parce que c'était les chapitres que vous auriez lus après, OK? Donc, je voulais vous dire, regardez le beau défi qu'il a accepté. Et Pierre, il me dit, écoute, Sophie, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va l'essayer. Alors, ça s'est très bien passé, Pierre. Je suis vraiment contente parce que on a fait ça. Hein, moi, je ne me suis pas cassé la tête. Moi, je voulais faire quelque chose. On n'a pas pris 18 000 takes, là. Ça ne me tentait pas de deux fois, ben ou des fois, on s'enfargeait, mais c'est pas grave. Le but de l'exercice, c'était pas ça. Le but, c'était qu'on le livre le plus facilement et le plus rapidement possible et que ça donne ce que ça donne. Alors oui, des fois, tu avais un petit peu de difficulté, des fois, tu bégayais, mais ça coule bien, puis on a eu un beau résultat. Alors, vous allez voir. Alors, et ça fait combien de temps à peu près de ça? C'est au moins 2 mois, 3 mois? À peu près, hein? Bien, je vais te dire, là, juste depuis 2-3 mois, tu as plus de facilité encore que quand on a enregistré. Je peux te le dire. Je vois la différence. Hein? C'est spécial, hein? Alors, c'est ce que je voulais vous dire, mes amis, que Pierre, il a eu le courage d'accepter le défi et j'ai pas eu de misère. Écoutez, on se connaissait à peine, hein? Vous m'avez parlé des molécules de signalisation. Vous m'avez dit, Sophie, nous autres, on est prêts à aller chez toi. Je dis, OK, bon, venez, oh, fait que je les ai accueillis chez moi. Ils m'ont parlé de ça. Et moi, ben, parle, jase. J'ai pensé à ça. Hey, j'ai dit, Pierre, j'ai un défi pour toi. Puis il m'a dit oui. Puis, écoutez, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est le plus long, en plus, chapitre de mes deux livres. C'est vraiment le plus long. Ben, ça a été long, hein? Je pense qu'il y a 1h30 d'enregistrement qu'on a, oui. On a fait au total. C'est un beau défi. C'est vraiment agréable de faire ça avec toi. Ben oui, on a eu beaucoup de plaisir. Hein? Fait que le gros, en fait, de l'histoire, c'est un peu, c'est moi, en fait, qui ai un ami imaginaire et que je parle du premier tome. Donc, c'est un petit peu comme un résumé du premier tome que mon ami imaginaire a lu le premier tome et qu'il n'a pas encore engagé le deuxième. Alors, c'est un petit peu comme une introduction en même temps, ce chapitre-là. Donc, écoute, restez avec moi parce que là, bon, il est déjà 11h15. Alors, je vais faire le tour avec les gens de ce qui s'en vient pour la prochaine semaine, en fait. Parce qu'on était supposé faire avec vous, mais là, ça va peut-être être Muriel. Écoutez, je ne sais pas là, si Muriel va être là la semaine prochaine. On va essayer de l'avoir. Sinon, ben, on va s'arranger autrement ou je vais en faire un peu plus. Je vais vous parler un peu plus la semaine prochaine. Et j'aurai peut-être deux invités à une autre conférence. Moi, je ne me casse pas la tête. Hein, j'y vois comme ça se présente. Alors, en passant, la semaine passée, Carole Dionne me dit, juste avant le direct, elle me dit, Sophie, elle dit, là, tu m'as invitée. Puis tout m'a dit, c'est quoi vraiment le rôle que tu veux que je joue dans ça, tu sais, par rapport à ton livre et tout. J'ai dit, Carole, je t'ai invitée.
parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton jugement, j'ai confiance en ce que tu peux livrer. Connecte-toi à l'énergie, puis tu vas dire ce qu'il y a à dire au bon moment. Et ça a été fini. J'ai laissé complètement ouverte à partager ce qu'elle avait envie. La même chose, Pierre et France, on ne s'est pas pratiqué pendant 3 heures là, avant qu'on fasse le direct. Je vous ai dit les grandes lignes de ce que je voulais parler, là, juste pour qu'on puisse faire la petite entrevue, mais on est allé naturel et ça l'a sorti comme ça l'a sorti. Avec le cœur, comme toujours. Voilà. Pourquoi c'est ça qui est important. Je te remercie, Sophie, pour cette générosité et aussi ton dévouement aussi à mettre toutes ces émissions-là de l'avant. Oui. Merci. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auront le bonheur d'écouter tout ce que tu dis, puis l'ouverture que tu crées aussi chez les gens pour leur permettre de voir un peu autrement, puis de s'ouvrir peut-être à un niveau différent pour mieux faire grandir la vie en eux, puis mieux faire aussi entrer l'océan de tout ce que la vie peut apporter en termes d'abondance. Ah, c'est-tu beau, hein, notre belle France? Merci, c'est gentil. Écoute, je l'aime beaucoup. Ben, je comprends, vous êtes un beau couple, vous êtes un beau modèle. Alors, il y a des gens qui m'ont dit des petits commentaires, là, mais comme je vous dis, je ne vois pas vos noms, à part de Cathy qui a marqué Cathy, donc je sais que c'est elle. Les autres nous ont salués et tout ça, mais et sur ma page, tantôt quand le direct va être terminé, je vais aller voir vos messages. Là, je vais voir les noms, OK? Donc, je vais pouvoir vous répondre. Je voulais juste vous parler de qu'est-ce qu'on va parler pour les prochaines semaines. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, la référence à mes livres la semaine prochaine, ça va être le chapitre, on est toujours dans le livre, le premier livre, le tome 1. On va être rendu à communiquer l'essentiel, le chapitre, ensuite un système humain et le saut des émotions. Moi, je peux vous dire là, que bon, tous les chapitres, évidemment, sont importants. Le saut des émotions, c'est mon dernier chapitre et c'est extrêmement important. Donc, pour ceux qui ont accès, écoutez-le, vous allez voir, j'apporte énormément d'analogies justement au niveau des sauts, des émotions, les sauts, là, S-E-A-U-X, là, donc les sauts d'eau. Là. Donc, si vous avez la chance de l'écouter, écoutez-le, ça va vraiment vous aider. Et la semaine suivante, on va avoir justement le chapitre que moi et Pierre, on a enregistré ensemble, qui est une conclusion de tout ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, Pierre, parce que ça fait déjà un petit bout qu'on a enregistré. Oui. Mais on parle de ce chapitre-là des sauts des émotions. Hein? Exactement. On se fait, c'est comique hein, comme chapitre. On peut juste se relancer un peu, comme on se taquine, pas méchamment, mais on se taquine mutuellement pour amener le sujet et mieux comprendre. Donc, sur ça, mes amis, on achève, on approche de la fin. Avez-vous des questions pour moi ou pour France et Pierre? Alors, j'attends pour voir si vous avez des petits commentaires à nous passer. Et n'oubliez pas, si jamais il y a une question qui vous vient, ou pour les gens qui vont l'écouter en rediffusion également, évidemment, si vous avez des questions, faites juste nous taguer. Donc, juste écrire notre nom si vous voulez poser une question à Pierre, marquez Pierre Blanchard, à commercial Pierre Blanchard. Comme ça, lui, il va voir qu'il y a un commentaire, puis il va pouvoir venir y répondre. Quand vous ne nous taguez pas, c'est que ça ne veut pas dire qu'il va le voir passer, le commentaire. Donc, vous savez, des fois, on est occupé, hein, puis on les voit pas toutes passer. Donc, quand vous voulez avoir une réponse, assurez-vous de nous taguer, OK? Parce que des fois, ça nous arrive d'en manquer. Je pense qu'on a été clair. On n'a pas de questions. Ça va peut-être venir dans la semaine qui vient. Alors, un gros merci à tout le monde. Là, on va faire la minute de silence, la minute que je tiens beaucoup. Donc, cette minute de silence, maintenant, c'est pour la paix et l'amour universel. Donc, on part des multiples vagues d'amour et de paix. Alors, je vous demande de vous connecter à ce que vous voulez, à l'énergie que vous voulez. Et d'accueillir cette belle paix et cet amour universel. Alors, on prend une minute, mes amis. Merci.
Seigneur, un gros merci à vous de toujours vous prêter à cet exercice qui me fait beaucoup de bien et que je suis tellement contente d'avoir des gens qui le font avec nous. Alors, Pierre et France, avez-vous autre chose que vous aimeriez parler par rapport soit aux molécules de signalisation ou autre chose que vous aimeriez apporter comme pour donner suite un peu à ce qu'on a parlé? Ben, comme tu disais, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent mettre sur ton site. Si les gens veulent communiquer avec toi ou avec nous, ça va me faire plaisir pour répondre le plus possible aux questions. Tu peux-tu, Pierre? Un gros merci à toi, Sophie, pour le temps que tu as pris. Merci à vous autres. Et merci en plus d'avoir été très réceptif et rapide là, en plus, parce qu'un matin, sinon, je me serais débrouillée tout seul. Parce que... ben, ça fait ça avec toi. C'était fin. Alors, je pense que c'est dire aux gens, c'est ça, d'oser, de sortir des fois du bocal où on pense qu'on peut être enfermé, ouais, pour voir la différence, puis permettre à notre corps, c'est ça, de retrouver sa capacité de pouvoir se guérir par lui-même. Là. Il faut juste des fois des petits outils. Puis, c'est sûr. Mais c'est pas seulement pour les gens qui sont malades. Peut-être juste une petite parenthèse. Mmh. Oui. C'est aussi pour les gens qui veulent améliorer leur condition physique. Il y a beaucoup de sportifs qui prennent, dont c'est même reconnu par le CIO, les gens vont améliorer leur entraînement, vont améliorer leur performance, ils vont améliorer leur performance, mais pas seulement performance, mais aussi l'endurance, et ils vont récupérer beaucoup plus vite. C'est la même chose pour les gens qui vont avoir subi des opérations, ils vont récupérer plus vite aussi. On a beaucoup de témoignages de ça. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. 0 à plus que 77 ans peuvent utiliser les molécules. Il n'y a vraiment pas de problème. Et même les animaux, les petits animaux, ça peut être... Des fois, ils disent « Ah, il n'y a pas grand-chose, il faudra l'euthaniser » ou « Ça va coûter cher l'opération chez le vétérinaire. » Pas mal moins cher à prendre ça. Hein. Ouais. Des fois, c'est des gens du quotidien, comme les deux derniers jours. On était en congé, j'ai fait des travaux extérieurs. Puis hier soir, je me sentais comme un peu ankylosée. Tout ça. Je me disais « Probablement que demain matin, je vais marcher un peu coussi-coussa. » Mais non, en pleine forme ce matin. C'est spécial ça, hein? Ouais. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie aussi, comparativement. Puis j'en prends pas comme j'aimerais en prendre encore. Je vais éventuellement en prendre plus. Mais ça a un effet. Ça a vraiment un effet au niveau de mon énergie. Ça m'aide énormément. Donc, un gros, gros, gros merci à vous deux. Hein, je vous apprécie énormément. Merci d'être dans ma vie. Même que ça fait pas longtemps que vous êtes arrivés. Je suis très heureuse de cette connaissance. Merci. Alors, si vous avez des questions, comme Pierre y expliquait, vous pouvez me contacter ou le contacter. Les informations sont en dessous, là, si vous les avez pas remarquées, mais vous pouvez toujours les noter en rediffusion, là. Donc, un gros merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine qui commence et j'apprécie beaucoup votre présence. Bye bye, la gang. Restez avec vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Restez avec moi, Pierre et Franck, je vous reviens.